Cette balade a eu lieu le vendredi soir de la semaine de canicule. Un grand merci aux 10 participants. Traversée du parc montagne en longeant le Rioux. Remontée du boulevard de l'Europe pour traverser le quartier Andromède. Oh, ça va là, en pédalant ça va mieux. Cet après-midi et tout c'était un peu plus étouffant. Là, ça m'est arrivé des fois de faire des petites balades nocturnes sur Blagnac. Quand en semaine je pouvais pas trop en journée à cause de la chaleur, je compensais la nuit. Et au moins la nuit faisait frais. Les gros bâtiments qui sont en train d'arriver là, conservatoire, bassin nordique et tout. Ah, le conservatoire, je n'ai pas encore vu. Et là, on va commencer à parler de l'hôtel de police. La police qui a été équipée en vélo aussi, en vélo électrique, fait par Intersport. Arrivé sur l'esplanade devant le nouveau parc des expositions, le Mythe. Surtout que l'abri à vélo là-bas, c'est pas terrible. Oui, c'est sur des cailloux. C'est désagréable quand t'arrives dessus. Moi, chaque fois, quand je commençais, moi, je venais jusqu'ici. Après, je repartais sur Conon-Barieux pour faire le tour de l'aéroport. Quand on fait, t'as des talons. Ouais. Et tu te Ouais, celui-là, c'est un vélo électrique, ouais. Avec la batterie là. Après il y en a plusieurs, il y a des batteries qui sont au niveau du porte-bagages aussi. Il y en a qui ont les batteries sur le porte-bagages aussi. Il y a une infographie rigolote, c'est dans une affiche de magasin de vélo, c'est le vélo il fait plop plop, c'est 5 euros, cling cling, c'est ah, d'accord. 10 euros, chclon chclon. Avec tout le godronnage qu'ils ont mis là.
Ouais. Ouais, c'est. Ça casse le rythme dès que tu arrives dessus. Après, ouais, c'est sûr, il y a de la capacité. Par contre, ils sont quand même rigides. Moi, je me suis déjà arrêté plusieurs fois ici pour des salons, des foires. Moi, je connais pas là. Après, il y a un petit passage, on sait qu'on peut traverser par là-bas après. Après, on peut faire facilement le tour du mythe en vélo. Reprise de la balade pour aller vers le centre-ville de Bozelle, puis vers les Quinsoles. Traversée de la Voie lactée. Traversée de la zone d'activité Garosso. Descendre de l'avenue des Pins pour arriver dans le centre-ville de Bozelle. Il me semble, ouais, parce qu'après, si on va à droite, on retourne sur Blagnac. Hein. Ah, c'est ça, parce que là, ouais, on arrive devant la mairie de Bozelle. Hein. Vous connaissez tous la petite plage qui est là? Ah, pas du tout. Ah oui. Vous connaissez la plage qui est là? Il y a une plage. Vous voulez voir? Ah ouais, c'est des gros blocs. Hein. C'est qui ce blot de côté? Ah ouais, là-bas. De côté. Il faudrait une tyrolienne pour traverser. Il y a un bac aussi du côté de Muret, là. Un roc confluent entre Ariège et Garonne. Ils prennent pas les vélos. J'ai essayé, il a pas voulu le monsieur. Il a dit non, prends pas les vélos. Mais en fait, j'ai fait la balade. Un dimanche, là, j'ai fait la balade bord de Garonne. Je suis allé jusqu'à Loncopole. J'ai pris le téléphérique. Ils sont à Rongueil. Je suis remonté jusqu'au parc en haut avec la belle vue. J'ai pique-niqué. Après, je suis redescendu au confluent, au parc de confluence. J'ai traversé de l'autre côté. Et
remonter rive gauche de la Garonne. Sur 3 jours. Puis ici, on peut descendre par là, en fait. Ah ouais, t'as, ouais, ah, t'as le petit sentier, là, ouais. Parce qu'elle serait aménagée, quoi. Ah ouais. T'aménages tous les bords, il n'y a plus de place pour les animaux, quoi. C'est ça, ouais. Ouais, j'ai quand même prévu les tuyaux. L'évacuation, ouais. Il y a des cailloux et tout. C'est ça, ouais. On n'est pas, on n'est pas au Tour de France, là. Descente de la rue Lacé. Ah, il me semble que c'était là, ouais, non? On peut y aller? Ouais, c'était ouvert. Mais il n'y a pas de pont en bas. Une passerelle. Je ne suis jamais venu ici. Descente de la voie verte vers les 15 sols. Traversée de la base de loisirs des 15 sols. Descente du chemin du tiers-état pour traverser la zone des maraîchers des 15 sols. Ah, ça va, il fait frais, hein? Il fait pas trop lourd encore, ça va, hein. Descente du chemin des Ramiers avec passage à côté des jardins familiaux de Blagnac. Moi je suis Bruno. Ouais. Bah, d'habitude je prends la route. Ouais, la route c'est plus... Descente de la voie verte des Ramiers avec passage devant le futur bassin nordique de Blagnac.
Avant-première, bassin nordique. Ouverture début juillet. Ouais. Un petit peu de pub. C'est l'impression que quand il y a un truc noir. Il y a un truc noir. Poursuite de la descente jusqu'au nord du parc des Ramiers et remontée vers le centre-ville de Blagnac. Pour un rafraîchissement. Ouais. Tu trouveras le détail de cette balade nocturne avec la trace en description de la vidéo. Bonne balade!